Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Messieurs, bienvenue. Installez-vous confortablement, nous sommes à 40 minutes. 40 petites minutes avant la déclaration de l'étape praticable et le début de cette deuxième séquence d'épreuves qualificatives. Aujourd'hui, nous débutons par le groupe B, celui qui a eu le privilège de conduire la soirée hier soir, reprendre ce début d'après-midi sur les deux engins que nous n'avons pas encore découverts. Manon et Bruno. Dans quelques minutes. 43 précisément. C'est une période d'échauffement général réservée à l'ensemble des nations participantes. Je vous rappelle que pour cette 36e émission du tournoi international de Corbeil-Essonne, 29 pays se sont rendus sur ce tournoi mondial de référence organisé par l'association sportive de Corbeil-Essonne, le tournoi souvenir de Christophe. Quelques informations concernant la Chine et la Russie, mademoiselle Daria Kondarova, qui a pris la première place hier avec un total de 28 500. Précédant la Bulgarie
en seconde position, Sylvia Mitéva, 27-250. En troisième position, l'Ukraine, Alina Mazime, 27-200. Ensuite, nous retrouvions en quatrième, Anna Aliyeva du Kazakhstan, avec 27 points tout juste. Sixième position pour l'Ukraine, Gamari Zadinova, avec un total de 26-900. Delphine Ledoux pour la France en 7e position avec 26-650 et en 8e position, une team qualifiée de ce programme Sersault pour l'Azerbaïdjan, Anna Gourmanova, 26-500. Qualification pour cette journée de vendredi, il y a l'ensemble de France. L'ensemble de France qui, en deux saisons, tente le pari fou de se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais c'est une très jolie préparation et la France est en mesure de réussir cet exploit, se placer dans les 8 meilleurs ensembles du monde. Nous présenterons cette formation dans quelques minutes. C'est dans 20 petites minutes la reprise. Bonjour, mesdames. Welcome to the church. Immer da.